Allez re les petits amis, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de jouer à Medieval 2. C'est incroyable. Hein. En général, c'est les jeux rétro, quoi, genre sur PlayStation 1, c'est ça qui me. C'est ce qui me fait le plus plaisir en ce moment. Bon. Alors, où est-ce qu'on doit aller là? Donc on va y aller dans les égouts. On va plonger là-dedans. Alors j'essaie de regarder autour de moi, on sait jamais. Alors, il y a un ennemi déjà, hop. C'est quoi ça? On peut pas les avoir? Et si je mettais l'arbalète de feu, tiens? Est-ce qu'il va faire encore le malin? Bah oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ou alors c'est un PNJ? Ah, on va le suivre! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais remettre l'épée. D'accord, c'est un allié en fait. Et moi, comme un con, je lui tire dessus. Depuis tout à l'heure. Oula, c'est quoi ça? Ah non, je dois pas les tuer. Ah, attendez, il y a l'espèce d'alien en fait, c'est ça? Ok, ok, j'ai compris. Ok, c'était l'espèce d'alien qui a possédé leur bétail. Ok, ils sont fatigués, les pauvres. Attendez. Mais... Je vais juste voir s'il n'y a pas un truc là-dedans. Ah non, y a rien. Bon. Ouais, j'arrive. Allez, on y va. Oh là, cette ambiance, elle est unique, hein, vraiment. Et on la retrouve nulle part que dans Medieval, quoi. Bon, même si moi j'apprécie plus le premier opus, mais franchement, même le deuxième, il est excellent. Oh, une statue! Que Nakanoï vient nous sauver. Nakanoï. Ils nous prennent pour un dieu. Noble chevalier, nous formions une tribu joyeuse de chanteurs et de danseurs. C'était avant que les monstres ne viennent prendre nos femmes. Notre chanson est triste à présent. Nous avons perdu le goût du combat ainsi que la volonté de vivre. Ok. Grand Dieu, peux-tu nous ramener nos femmes? Tu seras récompensé. C'est ça, ils nous prennent pour une divinité. Bon, déjà, ouvre-moi ce coffre. Parfait. Oh, le bouclier en or! Ah bah c'est génial, franchement. Le bouclier en or, carrément quoi. Bon, on va explorer ces égouts là. Apparemment, il y a une tribu qui vit ici. Très étrange tout ceci. Allez, on va remplir nos fioles. Très bien. Plus de fontaine maintenant. Bon. Par où on commence? D'où on vient d'abord? Alors, ici, on peut rentrer là-dedans. Ah non, pas du tout. Je croyais qu'on pouvait rentrer là-dedans. Bon, on va explorer les égouts. À partir de ce côté. Ah, d'accord. Donc nous, on vient d'ici. Très bien. Si je vais par là... On va aller à gauche, tiens, allez. On va commencer par là. Je peux sauter là-dedans ? Alors attendez, déjà, il faut que je m'équipe d'une arme à distance. Parce que, vous voyez, là je peux avoir les ennemis. Oula, non, non, c'est pas la bonne arme, c'est pas la bonne arme. Il faut que je m'équipe de ça.
Mais putain, tu l'écrases! Oh! J'ai un marteau gros comme une maison. Et j'arrive pas à écraser un extraterrestre. Mais c'est pas possible. C'est hallucinant. C'est trop bizarre. Mais il est où? Très bien. On l'a eu. C'est bon. Alors j'espère qu'il m'a pas bouffé trop de barres de vie. De points de vie, pardon. Alors, vous vous réveillez ou quoi? C'est bon? On les laisse comme ça après? Ok. Bon, je vais sauvegarder, hop. Allez, au suivant. Alors, il y a de l'eau. Est-ce qu'on peut marcher dans l'eau? Oui, on peut marcher dans l'eau. Hop, on va sauter. Il y a une porte ici. Alors, il y a une espèce de petite ouverture. Donc, normalement, je devrais placer ma tête dans une petite mimine. Hop. On va mettre ça là. Merde. Ah, je dois pas partir par là. Zut. Ben, je savais pas, les gars. Prévenez-moi. Bon, on va recommencer. Parce que je savais pas que avec seulement ma tête. Attendez, je vais me rapprocher plus de la porte. Voilà. Je vais mettre ma petite tête ici. Attendez. La vache. Je me suis pris quand même des dégâts. Attendez, hop. Oh, pas du tout. Oh la vache, il y a de l'eau. Il y a encore de l'eau. Je peux pas sauter directement? Comment je vais faire alors? Attendez. Oh là là! Ah d'accord, il faut courir. Faut appuyer deux fois. Très bien. Mais comment je fais pour... J'ai pas compris. Ça veut dire que mon corps est en train de se battre ou c'est quoi le truc? J'ai pas compris. Merde! Mais à la fin... Prends ta tête, putain! Très bien. Est-ce qu'il en reste encore un? La vache, quand même, ils font beaucoup de dégâts. Hein. C'est hallucinant. On va partir par là. Très bien. Alors ici, est-ce qu'il y a des plateformes, quelque chose comme ça? Ah, pareil. Il faut le faire rentrer par là. Bon, bah écoutez. Je prends ma petite tête et hop, je la place ici. Hop là, on va passer par ce trou. Oula, c'est risqué ici. C'est risqué. Si je plonge en bas, c'est fini quoi. On est bien d'accord. Donc je pourrais pas y aller. Ah si, par les tubes. Ah, c'est pas mal ça. Alors si je regarde bien comme ça. Ok. Attends. Oulala. Comment je peux contrôler mon corps? Euh...
Ah, attendez. Ah, voilà, il faut que j'appuie sur L1 plus triangle pour passer de mon corps. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc, voilà, j'appuie sur triangle. Parfait. Et là, ensuite, on se place ici. Pareil, je réenclenche tout ça. Très bien. Donc là. Ah non. Alors, ah non, attendez. Je dois mettre ici? Ah, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon, observons. Observons un petit peu le terrain. Bah non. Et là, si je regarde bien, je ne peux rien faire pour l'instant. Ah, attendez, attendez. Ouais, ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Bah non. Bah c'est bon là. Bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me mets ici, voilà. Ensuite, tac, on commence. Voilà, très bien. Je me place. Oula, j'ai du mal à voir là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, tourne-toi. Mais. Mais vas-y! Hein? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Il arrive pas à passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ouais. Mais vas-y! Voilà! Oh là là! Mais c'est horrible. Très bien. Donc on se place ici. Hop là. Assez complexe, hein. C'est assez complexe tout ceci. Très bien. Et là, normalement, je devrais refaire la même chose. Attendez. Voilà. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. On va pouvoir traverser. Très bien. Très, très bien. Ok, et là, je fais ça. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas. Est-ce que je dois appuyer encore une fois? Non, pas du tout. Je dois descendre. Descendre par là. Ah, c'est bon. Ok. Donc, je vais reprendre ma petite tête. Ah, il faut réfléchir, hein. Faut réfléchir un peu. Ah, c'est pas pour ce. C'est pour ne pas se noyer en fait, c'est ça? Et surtout pour atteindre cette échelle. Ok. Allons-y. Très très bien. Bon, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Bon, on va se mettre en vue subjective pour voir les environs. Bah voilà. On aurait pu rater ça. Deux sacs remplis de pièces d'or. On va passer par là. Allez, c'est bon. Ensuite, quelle autre épreuve nous attend dans ces égouts? Alors, il y a une bifurcation, il y a deux chemins. Très bien, on va y aller par là, tiens. Il y a le fantôme. Je te cherchais partout. Il serait peut-être temps d'aller voir ce que le receleur a pour toi.
Tu seras sans doute étonné. Le receleur. C'est le vendeur. Oh, il va nous donner un truc. Tu as trouvé une affiche. Une affiche. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai peur de... attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah d'accord. On va essayer de... tuer la tentacule. Ah c'est comme le combat contre le dragon. Une libérée, 4 restants. Ah ok, on va libérer des... c'est comme dans le potager là, l'espèce de niveau avec les citrouilles. Bon. Ah ça j'aime pas trop en fait. Hein. Ça j'aime pas du tout. Ce genre de mission. Mais bon. Que voulez-vous? On nous impose ça donc on n'a pas trop le choix. Allez, il y a encore des otages. Hop. Ok, bien sûr. Bon. Heureusement que j'ai fait une safe state. Très bien. Ah! Mais c'est pas possible! Allez! Ça y est, je peux récupérer le calice déjà? Très bien. Ok, bon, les otages. Comment on les libère, les otages? Oh, il y a une petite fiole, parfait. Oh! 3 potions? Sérieux? Bon. Essayons tout de même de nous repérer, parce que c'est pas évident. Hein. Je vais grimper par là. Bon, est-ce qu'il y a... Ah, ok. Très bien. 2 libérés, 3 restants. Ok, là c'est fait. Est-ce que je peux rentrer dans les trous? Non. Pas du tout. Ok, il y en a une autre là-bas. Mais je me demande si c'est une bonne idée d'y aller de ce côté. Ok. Ok, c'est bon. Bon, il a pas trop le choix. Il doit apparaître uniquement que dans ce trou. Ça n'a pas de sens. Allez. J'ai l'impression que c'est un peu bugué quand même. Très bien. 2 restants. Bah c'est parfait. On va juste se mettre en vue subjective. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? J'ai pas compris. Ah, on peut passer par là. Très bien. Allons-y. Oula, il y a un trou face à moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a une petite cloche. Ah, on peut remonter de ce côté. Bon, je vais juste revenir par là pour voir si on n'a pas manqué un truc. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a sauvé les otages, on a récupéré les potions.
Non, non, je pense qu'on a tout fait ici, hein. Allons-y. Donc on doit descendre, hein, logiquement. Voilà. Les escaliers, ça nous mène à une porte. C'est ça en fait qui me fait un petit peu peur dans Medieval, c'est j'ai peur de quitter le niveau alors que j'ai pas accompli toutes les missions qu'on me demande. Ah, il veut pas venir, qu'est-ce qui se passe? Ok, y a encore un truc à faire. On va essayer de deviner ça. Ah, attendez. Ah, on est revenu au village. On est revenu au village. Ah, c'est vrai qu'il y a la porte ici. On n'est pas allé là. Là où il y a le chef. Voilà, par là. On n'a pas encore fait ce côté du niveau. Ok. Bon, il y a une fontaine. Ça, c'est plutôt cool. Et là, c'est quoi ça? Bon. Il n'y a rien d'intéressant. Allez. Je vais prendre la hache. Oula, il y a ses ennemis. Ah, je peux pas les viser. Oh, c'est nul. C'est nul. Je vais prendre le marteau alors. Bon, on va se mettre en vue subjectif. Ok, il y a deux taureaux. Et on y va. Allez, viens là. Très bien. Parfait. Fouf! Je l'ai bien écrasé. Donc là, il y a deux taureaux. Parfait. Mais c'est tout? Ah, je dois sauter de l'autre côté alors. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout ce qu'il fallait faire. Et ça? Ça, on doit pas le faire péter par exemple? Alors attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Oula, il a visé un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Attends, attends, attends. Ça veut dire que je dois inciter les taureaux à venir défoncer cette porte, c'est ça? Pff, what? Bon, ça c'est un délire, hein, mais je sais pas si c'est vrai. Hop. Pas du tout. Ok, bon, j'aurais perdu deux bombes pour rien, donc on va refaire ça. Non, là, j'ai pas compris, les gars, je comprends pas. Ah, c'est comme ça! D'accord, d'accord. Il faut par derrière. Voilà, vas-y, défonce la porte. Voilà. C'était ça. Oh, bordel. On n'était pas très loin, hein, mais bon, avec les bombes, on n'aura pas fait grand-chose. Allez, monsieur Tentacule. Ah, merde. Ah, il m'a eu. Mais... Très bien. Allez, il nous reste un seul otage à libérer. Oh la vache. Oh la vache. Oh, ça va être chiant ici.
Très bien. On s'en est débarrassé d'un. Il nous reste un autre. Non, putain. Mais... Mais ils sont chiants. Mais sérieux? Ah là 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 là. Là c'est mal brancouillé quand même. Hein. Ok. Et là, il y a une porte à ouvrir. Vite. Voilà, défonce-moi ça. Oh non! Ah, mais c'est chiant, toi. Mais lève-toi, toi, tu peux m'aider. Très bien. Bon. Du coup, on a deux chemins. Donc, on peut y aller en haut. Ah, je suis bloqué. Oh, une petite fiole. Oh là là, parfait. Alors, vraiment, on est hyper bien au niveau des potions. Alors, il y a le chemin en bas. Bon, on va revenir vers le chemin en bas. Très bien. Voilà. Il nous reste celle-là à libérer. Très bien. Ouais, comme ça. Reste comme ça, c'est mieux. Allez. Ah non. C'est de l'autre côté. Très bien. Ah bah voilà, tu as libéré tout le monde. C'est génial. Là, on peut se servir de la main. Ah. Donc normalement, il doit y avoir un moyen de rentrer dans les trous. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Allons-y, hop. Ah, pas mal. On peut passer dans les trous maintenant. Alors, ça doit être ici alors. Oh, le calice. Le calice était là. Très bien. Bah, franchement, je suis content. On va reprendre notre tête. Très bien. Attends. J'ai vu le calice sur la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est bon. On a récupéré le calice. Ah, j'ai eu peur, hein. Ah, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. C'est jamais, hein. Je me dis peut-être que... Alors, par où je dois aller, moi? Est-ce qu'il faut que je grimpe par là? C'est bon? C'est bon. Allez. Et là, bon. Vue subjective, s'il vous plaît. Je sais jamais si c'est un piège. Ça va, c'est bon. On va peut-être parler au chef du village maintenant. Peut-être qu'il a une récompense à nous donner. Voilà. Ah, et le village est en fête. Nakanoï a fait son travail. Les pouvoirs de la pierre du temps, je déclare la renaissance de notre peuple. Resteras-tu à nos côtés pour nous défendre? Non, je dois retourner là-haut. Comment dois-je faire? Très bien, je te reconduis au rivage où un navire t'attend. Reçois ceci en récompense, valeureux guerrier. Oh, pas mal. Ah, j'aime le fric. C'est bon. Très bien. Parfait.
Alors, j'espère que je vais pas tomber comme ça. Non, ça va. Oh là, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. C'est bon, c'est fini. Oh, bah ça a été court comme épisode, hein. Ouais. On va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. Attendez. Le calice. Pourquoi il n'y a pas le calice? Calice des âmes. Ah, on est bien d'accord, je l'ai récupéré, donc je dois pas avoir peur. Oula. Ah, il n'y a personne. Ah, d'accord. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors, on va peut-être se glisser dans un endroit. Ah non, attendez, attendez. Attendez. Par là. Je reprends ma petite tête. Voilà. Je vais reprendre la petite tête, s'il veut bien. Mais, vas-y. Ah, il faut... Ah, d'accord, ok. Bon, je comprends pas. Le professeur, il est malade, apparemment. Dan, j'avais perdu espoir. Il ne nous reste que peu de temps pour vaincre Talthorn. S'il acquiert les dernières pages de ce grimoire... Professeur, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est la représentation de l'une de mes premières expériences. Regardez-la. La machine a remonté le temps. Mais elle ne fonctionne pas. J'y ai fait. Non. Nous devons nous occuper de Talthorn. Je suis vraiment navré pour Kia. Mais il est trop tard pour elle à présent. Bien, bien. Je ne vous ai peut-être pas tout révélé. J'ai toujours su que c'était Talthorn. Nous étions amis. Tout remonte à l'expédition de 78. Vous êtes-vous jamais demandé d'où me venaient ces mains? Tout figure dans mon journal. Mais la machine est au musée. Elle doit être en piteux état. Et de plus, elle n'a jamais vraiment fonctionné. Je vous le disais. C'était une perte de temps. Oh. Ok, il est parti. Il perd pas de temps, le Dan. La machine a remonté le temps. Attendez, ça veut dire qu'on arrive à la fin du jeu? Le professeur m'a demandé de t'apporter un perfectionnement. Alors, tu as trouvé une épée magique. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Attendez, mais on arrive à la fin du jeu, c'est ça? Oh là! Attendez, attendez. Voilà, donc les égouts, c'est bon. Hop. Medieval 2, je tape ça sur YouTube hein, pour voir. Long play. Très bien. Je mets pause. Je fais une save state. Je fais ma petite recherche sur YouTube. Attendez. Le long play dure 4 heures. Où est-ce que c'est encore plus long? Attends. Whitechapel. Les égouts. D'accord. Il reste plus grand chose en fait, hein, c'est ça. Il reste plus grand chose. Bon, bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, ça sera un épisode court. Et puis voilà, on se donnera rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Salut.